quatre étages qui communiquent les uns avec les autres. Des nids aux extrémités de chaque étage. Une colonie de rats sauvages, Norvegicus. De la nourriture et de l'eau en abondance. Tels sont les éléments d'une expérience terrifiante. Le nombre de rats est trop élevé pour ce territoire clos. Le manque d'espace vital provoque le stress et empêche la reproduction. L'instinct de conservation de chaque individu supplante l'instinct de préservation de l'espèce. Ce sont les rapports sociaux existants entre les rats qui déterminent la préséance pour la nourriture et l'attribution des nids. Chez les rats, il n'y a pas de chef unique, comme cela se produit par exemple chez les loups. Il y a d'abord les rats dominants, les alphas, qui sont plus forts et se nourrissent ensemble sans manifester d'agressivité entre eux. Il y a ensuite les bêtas, qui sont des rats dominés mais tolérés grâce à leur soumission. Au dernier rang d'échelle sociale, on trouve enfin les omégas, qui, rejetés par le reste de la colonie, doivent vivre en marge. Dans le cas présent, alpha, bêta ou oméga, chacun s'engage dans une lutte à mort pour la possession du territoire. L'agressivité retenue entre animaux du même rang social éclate en se portant sur une victime impuissante. Les conflits ne font qu'accentuer les écarts sociaux. Dans une colonie, les caractéristiques physiologiques d'un rat inférieur ne lui permettent pas d'accéder à une classe sociale plus élevée. Ce rat, de toute évidence un alpha, est en proie à une sorte de furie meurtrière à laquelle assistent passivement les autres. Dans un rapport normal de classe, l'individu inférieur démontre sa soumission en présentant la gorge ou le flanc à l'animal supérieur. Mais le stress de cette colonie détruit la compréhension des signes instinctifs de communication et l'agressivité ne connaît plus de bornes. C'est la violence exacerbée où l'effusion du sang semble devenir un nouveau facteur d'excitation. Dès lors, l'issue ne fait plus de doute. Malgré la nourriture normale et abondante, les rats vont se livrer au cannibalisme. Le stress suscité par l'espace restreint provoque une rupture des comportements normaux. À la frénésie agressive succède la frénésie sexuelle. Tout le rite d'approche disparaît. L'activité sexuelle est réduite à sa plus simple expression, le viol.
Cette frénésie sexuelle donne lieu à la confusion des sexes. L'homosexualité apparaît, mais elle ne sera acceptée que si les rapports de classe sont sauvegardés. Les naissances se font de plus en plus rares. Lorsqu'elles ont lieu, elles tournent à la catastrophe. L'instinct maternel est inhibé. La femelle piétine ses petits, les abandonne ou les dévore. Souvent, elle ne peut supporter la maternité et meurt. Les petits abandonnés par la mère sont rapidement éliminés par les autres membres de la colonie. C'est une façon de contrôler la population. La sélection se fait donc en faveur des individus et non de l'espèce. On assure sa survie, mais on perd de vue celle du groupe entier dont l'âge moyen ne cesse d'augmenter. La survie de l'espèce n'est plus assurée. Les rats, qu'ils soient alpha, bêta ou oméga, perdent toutes les prérogatives attachées à leur statut social. Les places de repos, les nids, reviennent tantôt aux uns, tantôt aux autres. Les rats s'entassent les uns sur les autres. La maladie vient achever ce que l'agressivité, le cannibalisme et la frénésie sexuelle ont commencé. Sous l'effet du stress, engendré par le manque d'espace vital, l'individualisme forcené détruit l'instinct de survivance du groupe. Les conditions de vie dans un territoire sont d'une importance fondamentale dans l'évolution d'une espèce. De nombreuses légendes japonaises nous racontent l'association de l'homme et du rat. Ce rouleau, vieux d'environ 500 ans, nous présente le rat sous les traits d'un jeune prince. D'autres rats en costume de noble dame, de samouraï ou de serviteur forment sa cour. Le prince pousse le rat finement jusqu'à épouser une représentante de l'espèce humaine. Leurs noces soulignent les ressemblances qui existent entre les goûts des humains et ceux des rats. Le mariage se déroule dans le plus grand faste, au son des instruments des moines et sous la bénédiction du bonze. Cet animal bien charpenté, au museau obtus, et aux oreilles petites, appartient à l'ordre des rongeurs. Il pèse entre 300 et 500 grammes. Rattus norvegicus, originaire d'Asie malgré son nom, est le plus connu. Son espèce, universellement répandue, a envahi la terre. Son corps mesure de 20 à 25 cm. Sa queue, grosse et plus courte que le corps,
mesure de 15 à 20 cm. Rattus norvegicus vit environ de 8 à 11 mois. Si tous ces petits vivaient, un seul couple de rats donnerait 20 millions de descendants en 3 ans. Les terriers, véritables réseaux souterrains, atteignent jusqu'à 45 cm de profondeur. Le rat s'y reproduit, y cache la nourriture, s'y abrite contre les intempéries et y trouve un refuge contre les prédateurs. Le rat construit son terrier en se servant de ses pattes pour creuser et déplacer la terre. Il transporte dans sa gueule des pierres pesant jusqu'à 200 grammes. La colonie que nous observons se compose de 16 rats dont 7 mâles. L'espace vital est suffisant, les sources de nourriture sont abondantes et la colonie peut se développer librement. La maturité sexuelle est atteinte environ 75 jours après la naissance pour la femelle et 95 jours environ pour le mâle. L'approche consiste en un examen museau à museau suivi d'une inspection des parties génitales. L'intromission, extrêmement rapide, dure environ 3 secondes. S'il y a éjaculation, le mâle lèche son pénis. Si la femelle n'est pas en chaleur, son agressivité mettra un terme aux efforts du mâle. Ce dernier cherchera ailleurs et poursuivra une autre femelle. Une femelle est en chaleur pendant 6 à 10 heures. Durant cette période, elle pourra être montée une centaine de fois. Le mâle, après quelques saillies, émet des ultrasons pour signaler une interruption provisoire de son activité sexuelle. Lorsque la femelle est enceinte, elle cherche un nid ou en construit un dans son terrier. Tous les matériaux sont bons, paille, morceaux d'étoffe, feuilles, papier. Aucune structure particulière ne caractérise le nid du rat. Il prend simplement la forme de la femelle qui s'y couche. La période de gestation dure à peu près 21 jours. Elle pourra se prolonger d'une dizaine de jours chez la femelle qui allait encore sa portée précédente. Une femelle peut avoir de 3 à 6 portées par an, d'une dizaine de petits chacune. Avant même que la parturition ne soit complétée, la femelle commence à remplir son rôle maternel. La tête entre les pattes, elle lèche le petit dès qu'il émerge, enlève les membranes, coupe le cordon ombilical et mange le placenta. Elle lèche le petit dans la région génitale, ce qui a pour effet de stimuler l'intestin et la vessie et rend plus aisée l'évacuation normale de l'urine et des excréments. Soustraits à ce traitement, de jeunes rats accepteront de manger, mais mourront faute d'avoir pu éliminer. Seule la femelle prend soin de sa portée. Les mâles se désintéressent totalement des petits. Ce n'est que vers le 15e jour que les petits commencent à ouvrir les yeux.
La qualité des soins dispensés par la mère sera fonction de son rang social. Plus ce dernier sera élevé, meilleurs seront les soins. Pour cela, il faut que la mère jouisse d'une certaine tranquillité dès les premiers jours de la naissance. La portée exige les soins de la mère durant une période variant de 30 à 40 jours. La croissance d'une portée est assez lente. Vers le 30e jour, les petits ont acquis une plus grande autonomie. Ils explorent les abords du terrier et s'intègrent au rat adulte. C'est alors que leur rang d'alpha, de bêta ou d'oméga sera définitivement établi. Dans une colonie, les rats dominants, les alphas, se reconnaissent surtout à leur aptitude à se procurer la nourriture les premiers. Ce sont aussi ceux dont les terriers sont en général les plus proches des sources d'approvisionnement. Le rat est omnivore. Il peut se nourrir de grains ou de chair selon le milieu dans lequel il vit. Il ne dédaigne pas non plus les œufs. L'imagination populaire s'est souvent représentée un rat tirant par la queue un autre rat tenant un œuf entre ses pattes. La réalité semble légèrement différente. Il suffit que la coquille soit légèrement endommagée pour que le rat puisse la briser, gober l'œuf ou le transporter. L'œuf parfaitement intact reste difficile à manipuler. Le territoire de cette colonie s'étend sur les plans horizontal et vertical. Les sentiers sont tantôt terrestres, tantôt aériens. La recherche de la nourriture est la principale préoccupation du rat. Il y déploie une grande ingéniosité. L'infériorité sociale de certains individus est très visible. Même si ce rat est tout près de son but, il devra céder la voie et faire demi-tour devant l'autre. Au cours des allées et venues dans son territoire, le rat demeure prudent. Un bruit insolite à courte distance, un mouvement, et tous les rats disparaissent. Sa très pauvre vision est largement compensée par son sens du toucher, de l'odorat et de l'ouïe. Si les accès à la nourriture sont modifiés, les rats mettront bien peu de temps à retrouver un autre chemin. Ils reconnaissent rapidement les éléments qui leur ont déjà servi. Rattus norvegicus forme une sorte de crochet avec sa queue semi-préhensile. La nourriture est toujours au même endroit, le câble, lui, n'y est plus.
les rats cherchent alors à rejoindre le point de ravitaillement en refaisant des gestes qu'ils avaient coutume de faire. Un alpha parmi les plus forts arrivera rapidement au but en effectuant un bond de 45 cm. Comme la nourriture est solide, il l'emporte, mais sera vite poursuivi par ceux qui ne savent pas encore comment se la procurer. D'autres trouvent enfin le chemin, mais leurs aptitudes physiques ne sont pas toujours à la hauteur de la situation. Le rat a tendance à transporter toute nourriture solide pour la manger à l'abri ou la mettre en lieu sûr. Poursuivi, il emprunte un réseau complexe de routes parfaitement connues des membres de la colonie. Il risque néanmoins de se faire détrousser en chemin ou même d'oublier sa propre cachette. Grimper sur un tuyau lisse n'est pas une mince tâche. Certains ont compris qu'il valait mieux manger dans les hauteurs plutôt que se faire voler la nourriture. Parce qu'il n'a pas réussi à sauter, ce rat utilise le fil métallique qui sert à retenir la plateforme. Sa maladresse initiale fait bientôt place à une habileté étonnante. Les activités normales d'une colonie donnent lieu fréquemment à des expressions d'agressivité bénigne. Deux rats se touchent du museau. Cet agissement seul peut inciter l'animal inférieur à fuir. Dos arqué, flanc en avant avec petit bond, cette posture de menace annonce l'épreuve de force. S'il y a combat, les morsures seront rapides et l'animal inférieur cherche son salut dans la fuite. L'eau n'est pas un obstacle lorsqu'il s'agit de manger, même si c'est la première fois que le rat doit s'y jeter.
Une fois ses appréhensions vaincues, il est bon nageur. Sur l'eau ou en plongée, il démontre une adaptation excellente de son rythme respiratoire. Quel que soit l'obstacle à franchir, le rat tend toujours à rapporter la nourriture dans son terrier. Semblable à un coude d'égout ou tout autre siphon, ce système illustre une des voies d'accès utilisées par le rat. C'est ainsi qu'il s'introduit parfois dans les maisons. Le territoire est un espace sacré. Il est délimité non seulement par les lieux géographiques, mais encore par les frontières olfactives marquées par l'urine et les excréments. Si un rat d'une autre colonie s'aventure dans un territoire étranger, il en sera chassé impitoyablement. Débusqué par un mâle de la colonie, incapable de s'enfuir, il sera pourchassé et tué. Deux couples d'alphas étrangers ont été introduits dans cette colonie. La constitution de ces rats devrait leur permettre de s'intégrer normalement. Pourtant, incapables de s'orienter, leur premier geste est de se mettre à l'abri, que ce soit dans les terriers inoccupés, dans l'eau ou sur les hauteurs. Mais leur comportement et leur odeur signalent leur présence. Parce que cette colonie est bien structurée, ces intrus seront ravalés au rang d'oméga. La colonie en tant que groupe défend son territoire, bien que ses membres ne se sentent pas menacés individuellement par les intrus.
En général, une bataille entre individus d'une même colonie se limite à un échange de morsures rapides au bas du dos ou à la queue. Mais dès qu'il s'agit d'un intrus, les attaques portent délibérément sur les points vitaux tels la gorge, le flanc et peut-être la carotide. Le territoire s'organise principalement en fonction des sources d'approvisionnement. Si la nourriture vient à manquer, le rat deviendra facilement carnivore et prédateur d'animaux plus petits ou plus faibles que lui. Dans certains cas, c'est un groupe de rats qui viendra à bout d'un autre animal. C'est la recherche de nouvelles sources de nourriture qui modifie un territoire et en détermine l'expansion. Le territoire du rat occupe un espace qui ne lui est pas exclusif. L'équilibre écologique de cet espace est assuré par les multiples espèces qui y cohabitent. Le rat risque donc d'y rencontrer certains de ses prédateurs naturels, tels le faucon, capable de fondre sur lui à 200 km/h. Le hibou, lui aussi, est un des principaux prédateurs des rongeurs. Le rat, comme beaucoup d'autres espèces, adapte son activité à celle de ses prédateurs. S'ils sont nocturnes comme le hibou, le rat en danger sera plutôt actif le jour. Le serpent, le renard et d'autres carnivores sont ennemis du rat.